Bonjour, je suis Adriano et voici mon amie Sandra. On est membre d'une équipe d'explorateurs débutants dans le domaine de la prospection de l'or en République démocratique du Congo. Dans un premier temps, nous avons acquis le détecteur UIG Gold Digger de la société Detector en Turquie, Istanbul. Nous avons utilisé l'appareil pendant plusieurs jours sans trouver la moindre trace d'or dans notre région. Par la suite, nous avons contacté la société UIG Detector pour leur signaler que l'appareil ne détectait aucun or. Ils nous ont demandé de consulter les manuels d'utilisation attentivement afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil. Après une lecture minutieusement du manuel, nous leur avons fait savoir que nous n'avions toujours pas trouvé d'or. Ils ont répondu en suggérant qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas d'or dans la zone que nous explorions. Nous avons décidé, avec le conseil de la société, de nous déplacer vers une nouvelle zone pour poursuivre nos recherches d'or. Également décidé de filmer et de documenter le processus de recherche à l'aide d'une caméra vidéo. Pourquoi avons-nous décidé de filmer cette vidéo honnêtement? Nous avons enregistré cette vidéo pour l'envoyer à la société UIG Detector dans les cas où nous ne trouverions pas d'or avec l'appareil, afin de leur montrer que nous utilisons l'appareil correctement mais que nous ne trouvons pas d'or. À la fin de notre exploration dans la rivière, la surprise a été immense. Nous avons découvert une pièce d'or utilisant le détecteur UIG Gold Digger. Et par la suite, nous avons trouvé des quantités importantes d'or brut. Nous recommandons vivement à tous les chercheurs de la région d'acheter les produits de la société.
nous aspirons à grandir notre projet de la recherche dans notre pays et c'est pourquoi nous continuerons à acquérir tous nouveaux produits émis par la société. Nous remercions la société UIG de Tétor ainsi que sa direction, ses ingénieurs et tous les collaborateurs pour leur soutien et support. Je remercie la société UIG pour le soutien et le support. Merci UIG.